soir, j'ai essayé de faire un truc un peu électro tout en partant d'un truc assez sombre, monter sur quelque chose d'un peu plus festif et finir sur quelque chose d'un peu plus psychédélique, typé indien vers la fin. Plus dans un univers ethnique, trans, indien, ouais, vraiment quelque chose vraiment de sombre, quoi. Enfin, de plus pesant. Essentiellement, ça va être ça va pas être des compos. J'ai retravaillé des sons qui existaient déjà. Puis le principe, c'est de faire voyager un peu les gens, leur faire découvrir des trucs. Donc, mon projet ce soir, ça va pas être de gagner, ça va être vraiment de faire voyager un peu dans un univers différent que ce qu'ils vont écouter ensuite. C'est un peu entre du rock, du hard rock et du punk. Moi j'écoute du métal, donc j'aime bien ce qui est énervé. Lui il écoute un peu de tout, donc il aime bien ce qui est plus calme. Mais voilà, on essaye d'être un peu polyvalent pour toucher plus de monde. À la base on s'était dit qu'on ferait peut-être que des compos. Mais on a deux reprises qu'on aime vraiment beaucoup, du coup on s'est dit qu'on pouvait les jouer. En plus c'est des groupes qui sont pas très connus. Et après on a fait des compositions, comme on est que deux, ça va vite les compos. En une répète on a une compo. On est là pour s'amuser et tout ce qu'on veut c'est rentrer fier et content à la maison d'avoir joué tout ça. En plus on s'entend super bien avec les autres groupes, donc c'est cool. Je suis musicien depuis un bon nombre d'années, dans le rock depuis 5-6 ans en gros. J'ai commencé bien avant. Là pour l'instant je suis tout seul avec des pistes son derrière, ce qu'on appelle les backing tracks. Donc une backing track que j'ai fait moi-même et voilà, du coup ça, c'est ce qui remplace le groupe en fait. Pour ce soir ce sera que des reprises parce que je trouve que j'ai pas assez de niveau pour faire des compos qui me satisfont en gros. Voilà. Groupe de punk pop principalement, ouais. Alors ce soir on va faire deux compos qui s'appellent In My Mind et Our Dream, et après on va faire ça dépendra de notre temps, enfin du temps qu'on a pris pour s'installer, mais si on peut on va faire maximum trois reprises, donc voilà. Ouais. Bah, quand on joue on est à fond et enfin on voit vraiment qu'on aime ça et donc on espère que ça qu'ils vont apprécier. Pour nous, c'est vraiment un bon concert, un truc cool et on est ultra motivés. Donc, on a sauté sur l'occasion dès qu'on nous en a parlé, quoi. Bonsoir à tous, on est le groupe Elise. Alors déjà on fait des compos, que des compos, et les influences, on va dire que c'est plutôt du rock, mais on écoute beaucoup de styles de musique, du funk, blues, et donc c'est influencé par tout ça, et voilà, on fait un truc, on essaye que ça groove, et voilà, on se fait plaisir avec ça, et voilà. Après on essaye de...
de se donner à fond sur scène. Partager avec le public aussi, enfin voilà, enfin essayer du moins le peu de temps qu'on a de donner, de montrer qu'on est content d'être là et tout ça quoi, voilà. On a souhaité qu'il n'y ait pas qu'un seul gagnant, donc on a souhaité donner un prix d'encouragement à un groupe. Donc il s'agit de Narcoleptic Sheep. Et du coup, le groupe gagnant de cette session 2018, c'est le groupe Bibis. On est vraiment très très contents, quoi. On souhaite remercier tout le monde. Toute l'organisation, les autres groupes aussi, on a été accueillis très gentiment. On a fait on avait fait une session de répétition avant et c'est vraiment très 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 sympa, très bénéfique. Et là on a joué que 20 minutes, mais on est vraiment très content du résultat et des retours positifs qu'on a eu et de gagner, de finir premier, ça nous fait vraiment plaisir parce que les autres groupes étaient aussi très très bons et donc on est vraiment très content. Ouais. Rendez-vous l'année prochaine du coup et pour un peu plus longtemps et avec toujours autant d'énergie, autant de plaisir, en espérant que le public soit au rendez-vous et puis voilà, enfin c'était super. Merci à tous.